Salut tout le monde, c'est Elvian, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo nouvelle des tourterelles. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite dans l'abri de jardin. Donc ici il y a les deux mâles, le mâle blanc et le mâle orangé qui chantent. Donc voilà, les deux petits loulous. Donc ils s'entendent plutôt bien. Je viens de nettoyer les cages. Voilà, comme ça c'est tout propre. Donc voilà, c'est les deux petits loulous. Ça va, ils se battent un petit peu, mais en général ils s'entendent assez bien. Donc voilà. Donc ici la cage des futurs, bah où il y aura les colombes diamants. Donc voilà, donc elle va être faite. Le tiroir il est là-haut. Donc là bah elle est vide. Enfin, pour le moment elle est vide. Donc voilà. Ici bah du coup les deux petits mâles. Là il y a le blé. Le mélange là. Donc voilà. Donc bah c'est tout pour ces deux petits mâles là. Il y a pas grand chose à dire. Donc voilà. Donc celui-là, il devrait bientôt partir. Et l'autre, je sais pas trop. Oh, il a dû se prendre une poussière dans l'œil, ou je sais pas, il a l'œil fermé. Sûrement ça. Je sais pas trop, sinon l'autre est ouvert. Ouais, je pense que ça doit être une poussière dans l'œil ou quelque chose comme ça. Donc voilà pour les deux là, donc ils vont bien. On va passer tout de suite à la volière. Donc voilà, on se retrouve dans la volière. Donc ici, il y a ma chienne, Dulca. Voilà. Ok, juste là. Lucas. On voit comment on va passer aux tourterelles. Donc, bah ici on peut voir la mère qui nourrit un des petits. On va aller voir les petits juste après. Alors, ici la petite panachée. Non, elle a pas encore fondu. Bon, ça devrait pas tarder. Elle va toujours au nid. Donc aujourd'hui, il fait pas très beau. Voilà le petit malivore. Donc voilà. Alors ici il y a deux œufs. Les naissances pour moi sont prévues pour demain. Pour le premier c'est pour demain. Voilà. Donc ça c'est le, là c'est le mâle qui couve je crois. Ouais c'est le mâle qui couve. Donc voilà. La blanche et le mâle ivoire. Donc la femelle a pondu son premier œuf ce matin. Donc voilà elle est juste là. Donc ils ont repris bah, son ancien ami à elle. Donc voilà. Parce qu'elle est avec son nouveau mâle. Donc, le mâle ivoire. Ici, il y a la femelle orange et la femelle grise argentée. Donc voilà. Donc voilà, sinon les deux poules qui vont bien. Il y aura une vidéo sur la poule qui couve demain. Donc voilà, le petit mâle panaché. Donc la femelle n'a pas encore fondu, mais ça ne devrait pas tarder. Voilà ici, deux des jeunes avec la mère. Donc on va passer tout de suite aux jeunes. Donc les deux petits jeunes là, donc ça c'est les petits des oranges. Donc il y a des plutôt belles couleurs, des deux nids, dans les deux nids. Donc celui-là ça se voit pas encore de trop, mais ça sera un panaché. Soit un panaché, soit un comme ça. Un orange à deux sous-blancs. Voilà. Donc ils ont presque une semaine ou deux, je sais plus trop. Ils doivent se rapprocher des deux semaines maintenant, je crois. Donc voilà. J'étais né mercredi. Donc voilà, ça c'est le couleur clair. Donc des oranges. Donc voilà. Je vais vous montrer le deuxième qui est lui. Je sais pas encore la couleur, ça sera sûrement du beige ou du couleur classique. Voilà. Celui-là, il est un peu plus couleur classique. Donc ça, c'est les deux petits des oranges. Donc voilà. Donc je les remets au nid. Donc celui-là, il devrait être assez beau. Il est panaché un petit peu orange. Ça a l'air, mais bon, ils sont encore jeunes. On verra bien les couleurs après. Donc voilà, les deux premiers. On va passer aux deux d'après. Donc eux, ils ont quelques jours de plus. D'avoir 3-4 jours de plus. Donc voilà. Donc ils sont déjà un peu plus avancés. Donc celui-là, exactement la même couleur que l'autre. Qui est juste là. Bon, ils ont foutu un petit peu partout. Je viens de leur donner à manger. Voilà. Donc voilà, donc ils sont bagués, hein, les quatre. Donc voilà le plus clair. Donc il est de couleur panaché. Orangé aussi. Donc voilà. Donc d'ici une semaine, on verra beaucoup mieux les couleurs. Ils sont encore jeunes. Voilà, ils sont tout mignons.
Donc je vais le remettre au nid juste avant. Je vais vous montrer le deuxième jeune qui est juste là. Donc lui, il est de couleur orange. Voilà, uni. Donc c'est un orange. Donc voilà. Donc il est un petit peu plus grand, il a un jour de plus. Donc voilà, donc c'est un orange. Donc la vidéo va pas être très très longue. Donc voilà, donc c'est super au niveau des jeunes, super content. J'ai des plutôt belles couleurs. Je m'attendais à avoir du classique pour les deux là. Donc, ça m'étonne un petit peu. Donc voilà, le mâle panaché qui chante. La petite nouvelle poule. Puis les autres, voilà, donc eux, deux œufs fécondés, ça devrait éclore là. Elle, bah, on attend toujours qu'elle pond, avec son mâle panaché qui est là-bas, qui chante. Eux, ils ont deux petits, dont un panaché et un couleur classique. Et ici, deux petits, dont un orange et un panaché. Donc voilà. Ou sinon, ils vont plutôt assez bien. Ils en foutent partout des graines. Ils font pas mal de gaspillage. Voilà. Donc ma plus belle tourterelle. Ma petite orange et blanc. Qui est super belle. Donc voilà. Donc dans la prochaine vidéo, je vous dirai si ces œufs seront fécondés. Bon, ça, elle en a qu'un. Ça devrait pas tarder à prendre le deuxième. Bah, d'ici demain. Normalement, elle aura son deuxième œuf. Donc, on va bien voir ce que ça va donner. Bon, la volière est un petit peu sale, mais ça va encore. Donc, au nid, regardez. Donc là, ils utilisent que les nids du haut. Puis, bah, eux qui mangent, qui font dans la mangeoire. Les deux nids du bas, ils y touchent absolument pas. Donc, voilà. On s'est donné de rave hein, au cas où, comme ça. Vous voyez, la mère aime pas quand on la dérange quand elle est au nid. Bon, sinon, les gris sont plus calmes. Et puis, eux, ils me voient, ils ne disent rien. Les deux de ce nid-là. Le petit mâle panaché. Bon, il est un petit peu peureux. Donc, voilà. Donc, ça va être la fin de la vidéo. Donc, j'espère que cette vidéo nouvelle des tourterelles vous aura plu. Allez, ciao, ciao. Je vous remonte un peu les petits. Le petit panaché et le petit couleur classique. Des orangés. Et là, le petit orangé et le panaché. Voilà, qui sont juste là. Donc c'est la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo nouvelle des tourterelles vous aura plu. Allez, salut.